Eh bien, bonjour à tous les amis, ici Gamer6251, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, épisode 4, on va couper tout ce qui est petite tige là de mes restes de d'ancien lèvres de maïs que j'avais fait en off avec la petite machine que je vous avais dit qui sortait il y a pas très longtemps. La petite matrotte. Je sais pas trop, j'ai pas fait super attention pour comment ça se disait. En même temps, j'ai pris le petit. Un petit 155 chevaux, 6930 du Honda avec le petit bras MX. Donc je croyais que ça faisait un bon ensemble. Donc on va tester ça dans cette petite passerelle. Donc j'ai déjà fait un détourage, puis j'ai fait 2-3 lignes pour voir tester que ça marchait bien. Les champs d'à côté, bon, j'ai fait du maïs grain, donc il y avait déjà. Et là j'ai fait l'ensilage, donc comme ça. On va se faire ça, comme ça on voit bien la différence. Ça peut être pas mal, comme ça, un nouveau petit mode, petite vidéo tranquillou. Et puis on se retrouve tout de suite après l'intro. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see us through. À couper, je sais pas comment on pourrait trop dire. Parce que je connais pas trop enfin, ce type de machine, comment ça s'appelle. Donc, bon, je peux faire une petite rotative pour les tiges. Donc, voilà, on va dire ça comme ça. Donc on va essayer de se faire le petit champ, peut-être pas complet parce que ça risque de d'être long. C'est une petite vidéo qu'on va faire, hein, pas une vidéo de 20 minutes comme l'épisode 3. On va faire un petit truc tranquillement. Pas trop long, histoire que vous puissiez voir un peu cette nouvelle machine. Ses utilisations. Bon, la 3D, franchement, je vous l'avais dit, elle est juste magnifique. Elle est simple d'utilisation, il suffit juste d'avoir un mode en plus pour voir. Essayer de faire ça proprement. Il suffit d'avoir un mode en plus pour les champs. Et sinon c'est un magnifique mode, donc j'ai jamais testé ce type de mode. Bon, je l'aime bien ça, je trouve que ça fait assez sympa, ça rajoute une petite touche de réaliste FS17, même s'il en manque un peu, mais bon, ça rajoute une petite touche. C'est toujours sympa de découvrir des nouveaux petits modes, changer un peu du labour, du fichier, l'épandage, tout machin, du samu, changer un peu comme ça fait une autre activité à tester, en plus avec un beau mode qui fait plaisir, ça, il n'y a pas de souci là-dessus, il est super propre. Dommage que les hydrauliques ne soient pas animées, ou alors c'est ce tracteur. Je croyais que c'était plus animé. Ah, c'était plus animé que ça. Mais bon, pour le moment, ça reste propre. Hop. Donc là, je peux pas la relever, là, je peux que la descendre. Ouais, bah. Donc on va faire un demi-tour aussi propre. On va essayer de faire gaffe de pas la casser. Hein. Ouais. Bon, cher. Allez, c'est reparti. On sert un peu du vieux intérieur avec. Ah mince, oui, je suis pas par contre sur la commande du véhicule. Non, alors, j'ai. Voilà. Juste baisser un peu le bras. Ah, d'accord, il est pas contre. Ah bah non, c'est. Voilà. Comme ça, on sera pas emmerdé par le bras. Je sais pas souvent de la vue intérieure avec ce tracteur. Donc, comme ça. Ah merde, j'ai appuyé sur B. Je me rends compte un instant, je me suis dit sur quel coup j'ai appuyé là. Bah non, c'était bien sur B. Excusez-moi, on va reprendre. Ah merde, non, en fait, j'ai replié la machine. Ah oui, non, c'était bien. Ouais, c'était ouais. Je me disais, non, mais c'est pas possible. J'ai pas mis au moins X. On va déplier la machine. Mais dommage que ouais, qu'on puisse la replier alors qu'on est en train de bosser. C'est dommage. Sinon, l'animation est quand même bien faite. Hein. Là, on peut voir le petit la petite tige, la petite barre en fer qui va se positionner sur les deux. Sauf l'arrière et puis attacher la machine, si on a fait ça, je crois, j'ai mis ça. On va faire partie. Heureusement qu'on s'est pas remarqué. Attendez. Ah oui, donc maintenant il faut baisser. Oh, j'ai un peu de mal à comprendre. Tout à l'heure je pouvais pas baisser, puis maintenant je baisse. Bon, c'est pas grave. Voilà. Comme ça marche. On peut juste comprendre comment que ça marche et puis. Ça marche nickel, parce que début sans baisser ça marchait et en baissant ça marchait pas. Mais là, en baissant ça marche. Bon, bah c'est mieux. Je vais pas. Ah, pas chipoter là-dessus. Hop, donc là on peut l'enlever. Je vais prendre le volant, mais je vais au clavier là. Mais alors je vais reprendre le volant. Pour faire ça plus proprement. Hop. Voilà, nickel. On va bien se mettre. Voilà. Bon, ça met un peu de temps. Bon, 11 km, c'est encore. Je crois que
croyais que c'était une activité qui se dit un peu plus rapidement quand même. Bah bon, c'est sympa. Bon, je l'ai pas fait très syndrome, j'en ai un peu loupé. C'est pas très droit, tu sais. Moi, je fais pas avec les modes pour aller droit, moi je suis vraiment à l'arrache, on va dire. Et en fonction de ce que je vois. On va essayer de faire ça propre maintenant. Pourtant, maintenant, on va essayer de faire ça propre. Bon, viateur, c'est pas dégueu ça. Moi, j'aime bien. Donc, comme ça, hop. On va se la relever encore une petite fois. Voilà. Et je vous ai pas dit, le prochain épisode, ça sera sans doute sur le. Oh, j'ai pas le mot. Sur les 4 récoltes différentes sur la map, que je vous ai présenté dans la dernière vidéo, ceux qui l'ont regardé. On fera sans doute la vidéo là-dessus. Il me manque plus qu'une récolte à semer. Temps de la faire pousser, la fertiliser, tout le machin. Mettre un peu d'engrais, ça devrait être bon pour ce week-end. Donc là, alors je tourne la vidéo du mercredi, elle sortira mercredi. Donc j'essaierai de prendre une petite avance sur les vidéos ce week-end. Donc là, on va rester droit comme ça. Partie propre. Donc là, oui, je vais m'avancer sur ce que je vais semer. Il me reste plus qu'un champ à semer, donc comme ça, les 4 seront prêts pour la vidéo. Et en attendant, je vais déchaumer, labourer tout ça, faire un truc propre. Je vais peut-être mettre un peu de moutarde, pour faire comme couvert végétal. Comme ça, on aura un peu plus de rendement. Et puis, je trouve aussi le champ où le semer. Le prochain épisode, ça sera sans doute ça, si j'ai le temps de le semer et trouver le champ. Et par la suite aussi, je ferai un épandage de fumier sûr. Donc, je sais pas, peut-être l'épisode d'après ou l'épisode d'avant. Je vais voir ça. Non, j'ai dans l'épisode d'après. Je semerai, enfin, on mettra du fumier sur les champs sur lesquels on a ramassé les nouvelles récoltes. Comme ça, ça fera un peu dans le cycle, on va dire. Ça donne en hectare, comment on est. On est bien. Bon, je crois que le Johnny a peut-être il manque un petit peu de chevaux, je suis pas sûr. Parce que dans les intros, enfin dans les vidéos que j'ai vues qui nous ont servi, peut-être plus de chevaux. J'ai pas vraiment fait gaffe à ça. Mais bon, il marquait pas une puissance énorme. Donc je me suis dit ça devait passer, je n'allais pas prendre le case. Puis vous l'avez déjà vu dans la dernière vidéo. Enfin les deux cases d'ailleurs. Je me suis dit on va prendre celui-là, ça peut changer. Hop là, on va faire ça proprement. J'aime bien, c'est vachement animé cette machine. Les rouleaux qui tournent en dessous, là on a toutes les petites grilles qui bougent quand on avance, ton freine et tout. Je trouve ça vachement bien. Hop. Franchement, un beau John Deere hein, pour faire ce boulot-là avec le Junior, ça fait un beau petit ensemble. Là-dessus, c'est pas de soucis, c'est nickel. C'est propre. Et puis on est, je sais même pas combien de minutes de vidéo on est déjà. Pas beaucoup à mon avis. Oh remarque, ça va quand même vite. Donc je vais le dire maintenant, n'hésitez pas à partager la vidéo pour faire plus de vues. Je trouvais que cette série ne faisait pas forcément beaucoup de vues comparée à celle que j'avais déjà eue. Comme celle qui faisait un carton. Donc n'hésitez pas à la partager, mais à vous abonner surtout. Car en abonné, on continue à monter, pas de beaucoup, mais on continue à monter un peu. On va faire comme les ouvriers, on va se placer bien. Mais par contre, en marchant, cette machine est un peu moins pratique. Hop, on va remettre le régulateur. On est reparti. Ça, quand même, vite à faire. Bon, c'est le champ, je vais y passer de la bourre comme ça, couleur végétale. Oh, ok. Couleur végétale, labour, oh, je sais pas. Ouais, je vais voir. Je vais voir en fonction de ce que je peux faire avec les rendements. Parce que j'aimerais bien avoir à peu près pas mal de champs. Enfin, ah bon, ce qui serait pas mal, c'est d'avoir le plus de champs avec le meilleur rendement. Comme ça prouverait qu'on gère bien nos champs, nos engrais, tout le machin, pour limite, mais essayer de mettre le moins d'engrais.
possible. On va essayer de faire ça presque le plus bio possible, on va dire. Parce qu'en vrai, si on passe un petit coup de couleur végétale, ensuite qu'on met un peu de lisier fumé par-dessus, et ensuite qu'on met un coup de la boue, ça fait déjà 3. Hein. Donc on resème et puis c'est bon, on a déjà notre bio. Moi j'ai testé ça, tiens, je vais peut-être pas remettre ouais. Ouais, j'ai testé ça. Donc sur ce champ-là, on va mettre. Ouais, je vais ressemer tout ça en moutarde. Donc il faut que je laboure tout et que je sème tout en. Non. Des chômeurs, ensuite que je peux. Ouais, des chômeurs, ensuite je vais tout labourer. On va éviter trop s'enfoncer dans les branches, ce serait bête. Hop. Écarter un peu la vue. Voilà. Bon bah c'est nickel. On va pas tarder à s'arrêter là pour cette petite vidéo. Donc moi je vous dis merci de l'avoir regardé, ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout. Je sais que tout le monde ne la regarde pas jusqu'au bout, mais je préfère le dire. Petit pouce bleu, vous abonner, mettre un petit commentaire si ça vous a plu. Ça te fait pas de mal, sinon on saurait. Puis bah moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et puis bon bah tout court, hein. Bye les gens.